Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Ananas et Sativa. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck improvisé, un deck généré aléatoirement. Voilà, c'est ça. Un petit duel d'Ananas contre Sativa. Donc moi j'ai pas encore généré le deck, donc on va le faire tout de suite. Hop. Alors. La carte de merde. Oh, alors je vais vous montrer un peu, sans rien dire évidemment. Donc on a... Ouais. Et ils verront, de toute façon il y aura les decks sur le côté bien sûr. Je regarde juste vite fait ce que je peux faire comme combo avec ce que j'ai, tu vois. Tu peux rien faire. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah. Ouais. Fini de réfléchir. Faut que ce soit marrant, il faut pas te regarder. Ah mais il faut pas regarder si tu veux que ce soit marrant. Ouh, mais je l'écarte trop bien moi, t'imagines même pas. Tu sais pas toi, tu sais pas. Mais moi je l'écarte trop bien. Je rigole, t'inquiète. Alors évidemment on sait pas quel on n'a pas dit quel héros on avait choisi hein. Donc il sait pas quel héros j'ai choisi. Hop, on se bastonne et tout, voilà. Alors on va balancer. Bah, le mec il est en train de modifier, tout il triche. Ouais, je modifie pas moi. J'ai pas le temps de regarder comme toi. Faut aussi de voir des combos. Ouais, c'est ça. Voleur, c'est impressionnant. Ouh, chasseur. Il va tricher. Chasseur, ça triche tout le temps. Voleur, un deck pas très aimé au final. Hein. Mais pas très joué. C'est ça que tu veux dire? Ouais, voleur, non, j'ai l'impression que c'est pas forcément très aimé parce que compliqué à jouer, faut... Oui, mais en fait, même le deck pirate, on le voit pas beaucoup. Hein. C'est très fort. Hein. Enfin, moi, je trouve ça fort. Après, voilà, quoi. Sa pièce, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Eh bah, bien sûr, voilà, je peux racheter. Ah, non, mais t'es pas au bout de tes surprises, hein, franchement, laisse tomber. Oh, toi non. Waouh, oh putain, je décadre vraiment trop bien, quoi. Tout le plaisir est pour moi. Voleur qui tente de s'imposer. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, c'est une carte courante chez le chasseur. Hein, bah oui, c'est bien fait. Ah j'ai ça, ouais. Ah oui, attends, tu veux qu'on rigole ou pas? Et tu me dis si tu veux pas rigoler, on rigole pas. Bah non, on est pas là pour ça, merde. Ok, très bien. Non, foiré. T'es sûr qu'elle est là au hasard, cette carte? Ouais. Bah tu verras bien la vidéo. Hein. C'est bizarre. Non mais t'inquiète, y a pas de murloc avec. Mais on n'a toujours pas fait de vidéo voleur fatigue. C'est inadmissible, le voleur meule. C'est inadmissible. La prochaine fois que vous utilisez... Ah, il coûte de cristal. Il coûte zéro quoi. C'est ça. Tant le dire. Très bien. Pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux faire? Non, je peux pas faire ça. Essaye de composer avec des cartes qui sont pas très curvées, hein, tout simplement. Ça nous donne un board qu'on n'a pas l'habitude de voir. Franchement, de voir ces cartes-là réunies sur le même board. C'est ça. Pas de panique mon chou, la cavalerie est arrivée. Ouh, pas de panique mon chou. La cavalerie est arrivée. Ah, pas mal cette carte là, cavalier d'argent. C'est vrai. Je vais faire des trails intéressants début de partie. Tout en gardant le contrôle du board. Ah, je verrais bien dans un éboladin, tiens, le cavalier d'argent. Ouais. Je pense que ça joue. Je sais pas.
Avec un petit secret par-dessus, réinvoque ce serviteur avec un point de vie. Ouais, j'avoue. Ça peut se faire. Ouh, la carte boule d'araignée, ça c'est intéressant ça. Ça peut être marrant. Ah oui, je suis plus qu'à 14 PV moi. Ah ouais, mais toi... Tu es plus qu'à 14 points de vie, sérieux. Exactement. Avec ton deck de... Je rappelle, c'est un deck random. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Oh non, c'est nul. Parfait. Ça permet de pas prendre la combo dans la gueule. Ou pas, hein. Ensemble. Ouh, ça va jouer finement. Ça va jouer très finement, messieurs dames. Un petit move sympathique de la part d'Alonas. Ah, il nous régale. Et ouais. Ah, je déconne, c'est de la merde. Enculé. C'est pas ce que tu dis. Voilà. Et tu veux pas taper dans mes araignées? Non. J'ai pas envie de te donner des rois. C'est dommage pour toi, quoi. Oui, bah, de toute façon, je suis un peu dans le mal, là. Je vois pas trop ce que je peux faire. Mais si, j'ai pas... Non, mais en vrai, tu sais pas ce que... J'ai combien, là? J'ai 4 légendaires dans la main. T'es dans le mal, hein, franchement. Pourquoi t'as pas fait ça, une carte milieu? Ah oui, d'ailleurs. Oula. Franchement. La lumière me protège. Ok. Donc moi j'espère qu'ils. Ah, gros board. Oui, effectivement. J'espère qu'ils m'ont donné des provocations un peu. Non, ok. Sans la domination du chasseur. Ce qui va nous servir. Ouh, la petite charge. Charge de 5. C'est pas une super carte, hein, qu'on voit très peu. Oui, c'est une carte de merde. Non, mais je crois que même en arène, elle est même pas utilisée. En arène, à la limite, ça peut jouer, mais... elle est trop chère pour ce que c'est, quoi. Vraiment beaucoup de chance. C'est une blague. Je vous tuerai. Ah, merci. Ah non, j'y crois c'est pas. Sativa. Le grand, le beau, le poilu, le velu, Sativa. Merci, le petit, le grand cheveu d'abo. Elle se regarde pas avec toi. Elle fait gaffe. Ouh, le prêtre. Ah, prêtre VS Gul'dan, pas mal. Pas mal. Nous apportera la victoire. Ma merde. J'ai une super main de départ. Et bah tant mieux. Salutations. Quelqu'un est blessé. Ça fait toujours plaisir de sortir sa T1. Ouais, moi je trouve ça assez relou quand on commence ça. Ça c'est alors c'est typical sortie du prêtre. Et typical réponse du démoniste, hein. Du démoniste, c'est ça. Pas le choix, hein. Bon, ça me force la pièce. Hein. C'est vrai. C'est quoi ça? Et what? La jouteuse de Gadgetzone révèle un serviteur de chaque deck. Ah oui, gadget comme toi. Gadget. Hein. Ouais, comme professeur gadget. Inspecteur gadget. J'avoue qu'elle est très très bien, quoi. Bon, faut gagner la joute, mais si tu gagnes pas la joute, c'est un normal. Je suis obligé. Très grosse carte. Ah, très grosse carte, là, on s'impose, hein, quelque part, j'ai envie de dire. Ça va chercher de la carte, et ça se vide en même temps. C'est assez sale. Merde! Oh putain! Le con! J'étais en train de jouer. J'étais en train de jouer comme ça, tu vois. Et j'ai lâché ma souris.
Oui, oui, non, mais oui, c'est bien connu, les souris dérapent et cliquent toutes seules. Non, justement, j'ai lâché mon clic, tu vois. Ce qui t'a redonné 2 points. Bon, après... C'est-à-dire que je t'ai donné une offre promotionnelle pour faire une connexion gratuite, quoi. Voilà. Voilà. Voilà, c'était une partie avec Alananas, une connexion gratuite. Ça commence à comboter. Mais dis donc, ton deck, il est aléatoirement fait, parce que... Ouais, bah, aléatoirement très bien fait. Franchement, j'ai pas à me plaindre. On dirait qu'il est optimisé, bon, après, quand même. J'ai des cartes de merde, j'ai des cartes qui combattent bien ensemble. Ça, j'avais pas prévu, par exemple. Mais voilà, après, j'ai toutes sortes de petites combos. Une très bonne carte. Ouh, ça commence à voler, quoi. Et oui, j'ai joué avec le voleur. Le prêtre voleur, qui vole des cartes. Heureusement que j'ai une Nova sacrée qui inflige 2 points de dégâts à tout le monde. Laissez-moi vous montrer une autre salutation. Ok, ça joue comme ça. Je sais même pas si j'ai des dégâts de zone, ça j'ai pas regardé. Ça joue comme ça. Évidemment, moi je suis un petit peu dans le caca moi avec les machins. Non, mais ça c'est vraiment une carte du prêtre qui est très 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 forte. Oula. Avec sa carte en camouflage le mec. Eh ben je pose ce qu'on me donne. Comment je fais maintenant pour tuer ta créature? Bah je pourrais t'expliquer mais j'ai peur que tu le fasses. T'as sûrement la carte donc j'ai pas envie. Non, j'ai pas non, le nombre. J'ai pas ça. Non, c'est pas ça. Je peux le faire autrement. BGH. Non, mais il faut que... Ah oui, je peux BGH ma grosse créa, ça c'est sûr. Il faut que je tue ça. C'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Bah écoute, oui. Oui. Mais non. Je dois réfléchir. Ou alors... Ça sera 6... Ouais, non, ça marche pas. C'est par le temps. J'adore les pillards. Rien. Pas une cible valide. Bon, je sais pas, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Enfin, si, j'ai eu le temps de réfléchir, mais j'ai pas trouvé de solution. C'est un peu chiant ça. Donc avec tes cartes en camouflage, c'est un peu relou quoi. Après, c'est pas... Oh oui, c'est pas grave. Toujours moyen de s'en sortir. Mes excuses. Merci. C'était fort sympathique. Je vous en prie. C'est une très bonne carte ça aussi. Franchement, hein. Oui, il y a moyen de... L'écumeur. C'est vraiment pas mal. L'écumeur est très très bon. Ah oui, genre lui est... Ok, ok, tranquille. Ça peut être cheaté cette carte. Bon ça, ça va plus vite. Attends, j'ai trop de cartes là.
Ah, c'est peut-être un démoniste meule, hein. Ah oui. C'est jamais. Sûrement même. Ah oui. Ça joue beaucoup. Hein. Ouais, entre le rang 23 et le rang 22, c'est beaucoup. J'imagine. La lumière vous brûlera. Oui, bah oui, ça pique, ouais. Merci. La lumière vous brûlera. Ouh, bah dis donc, ça va m'arrêter très franchement, ça. Ça me donne peur. Ça me fait peur. Pardon. Ah. Oui, pourquoi pas. Mais non, du coup. C'est le GG. Merci. Est-ce qu'il prend son temps pour finir l'adversaire? Ouh, qui nous gratifie quoi d'un petit OTK à la fin là? Je sais pas, je regarde ce que je peux faire avec mes cartes. T'as eu un bon jeu de départ hein, quand même. Non mais j'avais un deck qui était vraiment bien, franchement, pour un truc qui allait être... Ouais ouais, non mais j'avoue, ouais, c'était pas mal. Bon, le talent aussi, bien, hein, le talent. Et ça, on me cite plus. Est-ce qu'on l'a déjà non. cité? Non, mais je suis trop honnête. C'est ça. Voilà, bon. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, j'espère que ça vous aura plu, ce petit prince, ce petit concept de truc aléatoire. Et puis, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez aimé ou dans les commentaires. Voilà. À bientôt. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.